Eh bien, salut les amis, c'est Oxy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Windows 10 Edition. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un mashup, un pack du nom de Animal Kingdom. Vous allez voir, c'est totalement incroyable. J'ai testé un petit peu de mon côté, j'ai joué 5 minutes histoire de voir comment ça se déroulait, etc. C'est une sorte de petite aventure, donc écoutez, si cette aventure vous plaît, si vous avez envie d'en voir la suite, eh bien, faites-moi péter cette barre de like, commentez et partagez la vidéo, dites-moi que vous avez envie de la voir. Et puis en fonction de comment ça marche, si vous aimez ou pas, eh ben on fera un épisode 2. En tout cas les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Utips et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas écoutez, on va aller tout de suite sur Animal Kingdom. Mesdames et messieurs, c'est bon. Regardez-moi ça, je suis le Capitaine Perroquet. Aujourd'hui appelez-moi Captain Perro, Perro Captain, regardez-moi ce magnifique skin. Bon, j'ai une jambe de bois et un œil borgne, voilà, hein, j'ai eu une vie pas très facile, visiblement, hein, j'ai passé de sales quarts d'heure. En tout cas, moi, voilà la map d'Animal Kingdom. Mesdames et messieurs, il faut savoir qu'on va commencer dans cette zone, là, la zone jaune, et on va avoir toute cette map à explorer, donc j'espère vraiment que ça va être rempli d'action. Mais en tout cas, ça, je n'en doute pas, en fait, visiblement. Donc, écoutez, moi, je vous propose qu'on commence tout de suite l'aventure. Begging your adventure. Bon, il faut savoir que toute la map est en anglais, mais ne vous en faites pas. Je vous aiderai pour la traduction. En tout cas, Animal Kingdom by Cyclone Design. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Déjà, on a une ambiance sonore. À couper le souffle. Hein, on entend tout ça, il y a tous ces petits bruits. Alors, où est-ce que je suis? Où est-ce que je me réveille? Ça, c'est une bien bonne question. Tiens, là, on a un homme souris. Tu es un homme souris, toi? Salut. Oh, tu es réveillé. Enfin, tu es levé. Ah ouais, 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 effectivement. Je t'ai trouvé il y a 2 jours. Tu es vite remis sur pied. Tu vas pouvoir partir à l'aventure. Tu peux utiliser mon vieil équipement qui se trouve à l'intérieur de la maison. Et tu peux aller visiter Tailfort. Tailfort qui est cette ville en face. J'ai testé jusqu'à Tailfort. Je suis allé faire 2-3 trucs, voir. Et après, je me suis arrêté. Ok, eh bien écoutez, nous allons pouvoir récupérer le vieil équipement de ce vieux monsieur qui nous l'offre gracieusement, hein, donc ça c'est très très gentil de ta part, merci beaucoup. Hop, on va pouvoir s'équiper de tout ça. Yes, alors il nous donne du pain, une armure en cuir, des bottes en maille et du bœuf cuit. Ok, ça c'est parfait. Alors je vais m'équiper du bouclier, ainsi que de l'armure. Ok, nickel. Oh, 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 on entend bien la musique. On entend très très bien la musique. You know back still hurts from drying your hair. You better be careful. Ok. Alors, la musique est magnifique. Il y a l'air d'y avoir une ambiance sonore incroyable. Alors, on peut descendre par là. Oh, on est une sorte d'alpaga. Regarde, vous allez voir, hein, tous les monstres sont personnalisés. Tout change. Tout change, vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Alors, bon, bah, du coup, on va aller dans la zone qui nous disait. On va aller voir la ville. Et pour ça, il faut qu'on passe par cette espèce de sombre grotte. Ouais, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Oula, oula, toi, t'as l'air un peu vénère. Hein, un espèce de bandit. Ok, bon, ça va, il était plutôt simple à tuer, finalement. Alors, je vois qu'on a, on avait des petits minerais de charbon et tout sur les parois. Ah, regardez, là, on a du charbon. C'est bien du charbon, ça, si je récupère. Oui, 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 c'est bien du charbon. Bon, je vais pas récupérer tous les... Bon, je vais en récupérer un petit peu, quand même, du charbon. Ça pourrait nous servir. Voilà, hop, j'en prends 3. Je vais me mettre à 5 ou à 10. 10, ça peut être pas mal. 10 charbons, c'est bien. Allez, on va prendre 10 charbons pour la forme. Voilà, on est à 6, 7, 8, 9... Et normalement, il y en avait un là, voilà. Ah, si j'arrive pas à le récupérer, ça va être compliqué. Et 10, ok, parfait. Et une pierre taillée, une cobblestone. Ça me perturbe que le jeu soit en français. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un petit endroit caché. Alors, je vois rien du tout. Je ne vois rien. Ouh là là, ça nous permet d'aller vers les profondeurs de la grotte. Je vois de la cobblestone. Alors, vous, je sais pas si vous voyez grand-chose. Ok, ok, ça permet d'aller dans les profondeurs de la grotte. Ok, bon, on ira explorer ça plus tard. On va aller dans la zone qu'on nous a demandé d'aller rejoindre pour découvrir ce qui se trame dans cet endroit. Où est-ce que je suis exactement? Regardez-moi ce petit alpaga là. Salut toi. Enfin, c'est une sorte d'alpaga un peu chelou. Attends, j'aimerais bien voir ta tri. Attends, c'est quoi ses yeux? C'est quoi ses yeux? Non, mais regardez-moi cette tronche. Attends, et si je le tue, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais te tuer. Eh bien, tu nous tues rien. J'ai juste tué un pauvre animal innocent. Qui n'avait rien demandé à personne. Bon, bah, je suis désolé, bon, petit gars. C'était sans doute ton destin. Bon, alors, avançons. Et voyons voir ce qui se trame dans les parages. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de maison? Alors, déjà, on a du bois un petit peu partout. Merci, Captain Obvious, de nous dire qu'il y a du bois. C'est quoi, ça, d'ailleurs?
Du granit. Ok, ok, très bien. Vu que toutes les textures ont changé. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un waypoint qui va nous permettre de se téléporter. Hop. Runic Fountain. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bonjour, bonjour. Le Room of the Explorer. Le Dark Descent Lighthouse Runic Maze. Oh là 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 là, ça, ça a l'air d'être donjon, des donjons qu'on va pouvoir réaliser. Alors après, j'en ai aucune idée. Hein. Là, là, je ne sais pas trop. Bonjour, monsieur la souris. Monsieur la souris, bonjour. Oh, tu as activé la Waystone? C'est incroyable! Personne ne l'a fait ces dernières années. J'ai un cadeau pour toi comme tu es le premier. Ok, donc il est le mec qui s'occupe de cette fontaine, visiblement. And you seem to be destined for kingship. Oh, t'as destiné de devenir le roi! To prove, genre, the right successor of the kingdom, pour prouver que tu es le bon successeur du royaume, tu dois trouver les secrets de ces îles. L'ancien monarque utilisait ça pour trouver les rares Seashell artifacts. Ok, donc pour trouver des artefacts, est-ce que tu auras le courage de récupérer toutes les artefacts et devenir le monarque de ce pays? Tiens, prends ça. Ok, donc on peut le placer pour trouver les rares Seashell, donc du coup les artefacts. Take care, young one, jeune homme. Prends ça, jeune homme. Ok, je l'ai pris. Alors, qu'est-ce que ça fait? Genre, si je... Non, ça fait... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok, tu me dis pas ce que je peux faire avec ça? Bon, moi, je sais ce qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer tout de suite. On peut juste pas l'utiliser ici. En tout cas, merci beaucoup, monsieur la souris. Ça va nous permettre de trouver des artefacts. Donc ça, c'est nickel. Vous allez voir dans un instant ce qui va se passer. Allez, taille forte, on y retourne. Voilà. Et donc, du coup, maintenant que j'ai ce petit objet, on va pouvoir faire clic droit. Voilà. Et ça nous donne la direction de l'artefact le plus proche. Ah, très bien, très bien. Ça m'intéresse, tout ça. Bonjour. Bonjour, monsieur la souris. Can't wait for the next guard shift. My legs are killing me. Ok, donc il a hâte que quelqu'un prenne sa relève. Il en a marre de monter la garde. Ce que je comprends totalement. Ça doit être un petit peu long. Alors, explorons un petit peu toutes ces petites maisons-là. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits objets qu'on peut récupérer à droite à gauche? Visiblement, non. Ouais, je compte bien explorer, hein, parce que... C'est une aventure où on va avoir besoin de stuff. Regardez-moi toutes ces petites textures et tout trop mignonnes. Franchement, j'adore. C'est vraiment trop trop joli. Ok, là on a rien. Là non plus, ok, très bien. Alors, voyons voir. Ah, peut-être cette maison-là. Peut-être que là, on aura quelque chose à l'intérieur. Eh oui! Alors, oh, un arc, yes! Ok, ça c'est parfait. Et du cuir, ça pourra nous servir plus tard pour faire des nouvelles armures en cuir. Hein, si elle se casse celle-là, bah, ça pourra nous servir. Bonjour, messieurs les gardes! Vous allez bien? Oh, Discovery! You're exploring the Taillefort Plaza. Ok, on a découvert Taillefort. The treasure has been at months. Ok, très bien. Bonjour! Bonjour, pourquoi vous sautez comme ça là? Pourquoi tu fais ça? Salut toi! Oh, alors lui. Ah bah tiens, lui il échange 10 charbons contre une émeraude! On en a 12! On en a 12! Bon, par contre, je vais garder mon charbon, hein, t'es gentil, mais je l'ai pas récupéré pour l'échanger. En tout cas, je me suis dit ça pourrait nous servir! Eh bah, j'ai bien fait de me dire ça. Alors, oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce coffre? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va descendre. On va voir ce qui se trame là-dedans. Ah, et puis la musique, incroyable! Oh, un rare Seashell, mesdames et messieurs, on a trouvé notre premier artefact avec un livre efficacité 5. Ok, et une montre. Ah, ça, ça pourra nous servir, la montre. Ça, je vais pas vous cacher, ça peut être pratique. Une fiole d'expérience et des flèches. Oh, c'est d'autres flèches, des flèches de saut. Saut amélioré 2. Ok, bah du coup, c'est sûrement qu'il faut que j'utilise ce truc. Ok, et donc du coup, on peut voir l'heure qu'il est. Ça, c'est parfait, c'est pratique. Alors, on n'a rien d'autre. Vous avez pas un petit cadeau pour moi? Non, il n'y a pas de petit cadeau pour moi. Ok, très bien. Bah du coup, on a trouvé notre premier artefact. Ça, ça fait plaisir. Ça fait très... Waouh, il m'a fait flipper, lui. Ça fait très très plaisir de trouver notre premier artefact. Ok, du coup, on va essayer d'en trouver un autre. Parce qu'on va aller explorer cette ville. Cette magnifique ville. Alors, si j'utilise mon artefact... Enfin, mon... Ok, ok, je pense savoir où il faut qu'on aille. Je dirais que c'est vers ce phare que se trouve le prochain artefact qu'on va pouvoir découvrir. Alors, allons-y. Explorons un petit peu cette contrée magnifique. On dirait un village grec. Waouh! Waouh, ça va, j'ai pris un cœur de dégâts, mais ça va. On dirait un village grec, c'est magnifique. Je sais plus comment il s'appelle, ce village, mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Bonjour! Alors toi, t'échanges du papier contre des émeraudes. Ok, vous échangez tous un petit peu tout et n'importe... Waouh! Mais c'est quoi cette bête? Mais qu'est-ce que tu es, toi? Un rhinocéros? Waouh! Il est énorme! Oh, dis donc! La population de ce pays est vraiment variée! J'adore quand c'est comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Encore du cuir, très bien, et encore d'autres flèches. Alors, je vais pas récupérer tous les arcs du monde, j'en ai déjà un, ça me suffit pour le moment. Alors, est-ce qu'on a quelque chose là-haut? Non, je crois que j'ai déjà regardé. Ok, donc on a trouvé un monsieur éléphant. Très bien. Ah, mais on en a un deuxième! Waouh! T'es vraiment incroyable, mec. Oh! Oh, c'est un chat! C'est un gros chat! Mais non, mais cours pas! Mais non, mais je voulais t'admirer, moi! Oh, c'est dommage, tu veux pas que je te regarde? Piti chat! Piti, piti. Ah, ça c'est parfait, je t'ai piégé! Ah ah! Ah non, il était pas vraiment piégé. Ok, je suis un petit peu déçu là pour le coup. J'aurais bien aimé qu'il soit piégé et que je puisse l'observer. J'aurais bien voulu qu'on le voit. Avec tous ces hommes souris et tout, c'est magnifique. C'est vraiment génial. Salut, tu veux te coucher toi? C'est trop cool! C'est trop trop cool de voir ça dans Minecraft! C'est génial! Alors, bon, du coup, allons voir ce fameux phare! Hein? Est-ce que c'était ça? C'était ça là? Non, je sais pas si c'est le phare. Oh, non. Ah si, c'était peut-être ça le phare. Oh, une table d'enchantement. Oh, alors, j'ai pas de lapis lazuli malheureusement. Mais oh, et puis ça, c'est qu'est-ce que c'est joli comme lustre. Ah non, il est là-bas le phare. Ok. J'étais un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin du phare. Allez, on va aller voir. Bonjour, Mister Phare. Bon, d'abord, j'aimerais bien voir s'il y a d'autres objets. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien à l'étage des maisons. Ça sert à rien de regarder à chaque fois. Là, on n'a rien. Oula. Qu'est-ce que t'as toi avec ta bombe? Oh, ça serait pas le nouveau skin des creepers? Ouh là là. Oh. Ok, oui, effectivement, c'était bien un creeper. Alors, ça me perturbe parce que sur Windows 10, pour utiliser le bouclier, il faut se sneak. Du coup, ça me fait très bizarre. J'ai pas encore le réflexe de le faire à chaque fois. Mais bon, je vais réussir à le prendre au fur et à mesure du temps. Ok, un lit ici, très bien. Je rentre dans toutes les maisons, on se croirait dans Zelda ou dans Pokémon. Oh. Est-ce qu'on aurait pas trouvé un nouvel artefact? Hell yeah. Un rare sichel. Nickel. Et des petites pototes là. Une pomme et des badges. Alors les badges, je sais pas à quoi ça va nous servir à part donner un nom à quelque chose. Peut-être on pourrait adopter un chat plus tard. Je sais pas, on va découvrir ça. Alors un lit, très bien. Alors montons tout en haut. Je n'ai pas eu de récompense adéquate moi je trouve. Donnez-moi une vraie Discovered. You found the Tailfort Lighthouse. Ok. Vous avez trouvé le phare de Tailfort. Oh, qu'est-ce qu'on a. Waouh. C'est mon bateau de pirate. Je l'ai retrouvé, c'est nickel. Regardez-moi ça, là-bas, on a le bateau de pirate. On va aller explorer ça juste après. Oh, alors des chaudrons. Ok, bon, on va les récupérer. Je sais pas si ça va vraiment me servir. Attends, on est bien d'accord que c'est les chaudrons de Minecraft, hein. Attends, déjà, on a trouvé un pantalon en or. Ça, c'est parfait. Alors, c'est... Ah oui, oui, c'est bien les chaudrons. Ouais, j'en ai pas... Tiens, je vous les donne. J'en ai pas spécialement besoin. C'est un magnifique pantalon en or qu'on a trouvé. Hey, il me va plutôt bien. Plutôt beau gosse avec mon pantalon en or. C'est magnifique. Ok, bah du coup je vais descendre en bas de ce phare et on va aller voir ce qui se trame dans mon ancien bateau pirate. J'aimerais bien en récupérer les commandements. Il y a eu une mutinerie dans mon bateau. J'aimerais bien récupérer ce qui... Ouh là là. Attends, attends, c'est un Enderman là. Mais il m'attaque. Waouh. Waouh, les Enderman c'est des espèces de lézards géants. Waouh, il est magnifique. Alors, faut pas que je le regarde dans les yeux, mais... Waouh. Eh, beau gosse. Vraiment beau gosse, monsieur le lézard. Hein. Waouh. Bah, par contre, il m'a fait un petit peu peur. Alors, je vais faire un petit dodo. Moi, il fait nuit, je suis pas hyper chaud pour la nuit. Je suis pas hyper chaud avec mon petit stuff, là. Ah, ok. Voilà. Très bien. Ah, ça fait du... Oh, et puis les nuages et tout, j'avais pas vu. C'est super beau. C'est vraiment très très beau. Ok. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir aller récupérer le commandement de mon bateau. Pendant que ces ivrognes ont fait la fête avec tout le rhum que j'avais stocké. On va pouvoir... Ouh là, encore un creeper. 1-1. 1-1, monsieur le creeper. Je ne suis pas pour exploser avec vous. Ok, donnez-moi votre gunpowder. Ça pourrait me servir. Alors, d'ailleurs, voyons voir. Est-ce qu'on a un autre artefact dans le coin? Ok, on a bel et bien un artefact à trouver à l'intérieur de ce bateau. Très bien, très bien. Alors, une fois qu'on aura un petit stock d'artefacts, on retournera... Ah, vous savez à quel endroit, la fontaine, là où on nous a donné cet objet là pour jeter les artefacts dedans dans la fontaine. Alors waouh, waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors j'ai eu un petit lag un petit peu bizarre hein, mais bon c'est pas bien grave. Alors bonjour, bonjour, je viens pour récupérer. Ok, j'ai entendu des bruits de canon, ça me rassure pas beaucoup. Vous avouez que il y a un objet par terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la viande? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
La chair putrifiée. Ah, ok, ok, très bien. Alors, bon, on va aller voir ce qui se trame ici. Est-ce qu'il y aurait des pirates quelque part? Normalement, oui, je suppose qu'il y aura plein de pirates dans cet endroit. Alors, on va monter. On va monter, on va voir. De toute façon, c'est là-haut que ça nous intéresse d'aller. On va voir ce qui se trame ici. Ok, rien là. On va ouvrir toutes les portes, essayer de trouver les coffres, etc. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, c'est très très beau, par contre, le bruit. C'était encore un bruit de canon, c'était quoi? Oh! Ok, on est sur un bout de bateau. Alors, est-ce que... L'artefact, par où ça se trouve? Ok, ça serait là-dedans, a priori. Ok, ok! On va voir ce qui se trame là-dedans. Ah, j'ai bien envie de savoir ce qui est arrivé à mon équipage maintenant qu'ils ont fait une mutinerie. Oh, c'est magnifique. Waouh, c'est très petit. Alors, il y a un creeper qui va venir nous voir, je crois. C'est magnifique, regardez là, cette crevasse et tout. Il y a trop d'endroits à explorer, c'est magnifique. Alors, à savoir qu'il y a 40 artefacts à trouver. Donc, vraiment, faut se balader pendant longtemps. Ok, il a explosé, ça me va très bien. Oh! La musique change. Des pirates! Ah, j'ai retrouvé! Ah, mais ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer. Vous voulez pas m'attaquer? Pourtant, vous êtes des zombies, non? Alors, là, il y a un spawner. Déjà, ça, je casse. Ouais, c'est des zombies! Bah ouais, pourquoi ils m'attaquent pas? C'est trop bizarre. Oh, mais pourquoi il a pris... Ah bah oui, il a pris... Ah mais ouais, il m'attaquait pas parce qu'il voulait rester sous le... Ah oui, d'accord, ok. Ah bah oui, comme il fait jour, il voulait pas m'attaquer. Oh, là-bas, on a un magicien. Un renard magicien. Ok. On a rien, par contre, on peut monter dans le bateau. Quel est le trésor qui renferme ce bateau? Allons voir dans la cale. Ok. Ah, on a trouvé un coffre. Toi, tu veux pas m'attaquer non plus, hein? Ça, c'est marrant. Pourquoi ils m'attaquent pas, les zombies? Pourtant, je suis bien en game mode 0. Hein. Vous devriez pouvoir m'attaquer. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La viande de porc cuite. Ok, bon, c'était pas très concluant, mais au moins, j'ai trouvé un petit peu de nourriture. Alors, on a plein de zombies partout. Hein. Enfin, des singes, du coup. On va explorer Monkey Bay. Ok, la baie des singes. Alors, les singes, donnez-moi votre chair putrifiée. Alors, oh, on a trouvé l'artefact. Hein? Ah! Ah! Ok, eux, ils sont agressifs. Eux, ils sont agressifs, très bien. Ils ont vu que j'ai pris l'œil d'Enderman, là. Ils étaient pas contents. Brûlez en enfer, bande de singes! Allez faire vos singeries ailleurs, je ne sors pas d'un cirque, moi! Parce que, en fait, eux, ils ont pas l'air agressifs. Hein. Je suis pas obligé de les attaquer, visiblement. Ah, si. Wow, le creeper. Attends, vas-y, pète le creeper. Ok, merci d'avoir tué le zombie pour moi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'il y aura un petit trésor? Non. Rien de tout cela. Ouais, c'est bon, ils veulent ma mort, les singes. Oula. Allez, casse ça. Wouh! Oh, aïe. Aïe. Laissez-moi tranquille! Je vais tous vous éliminer un par un s'il le faut. Ok, bah de toute façon, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai tous éliminé un par un, à vrai dire. Et nous avons trouvé un nouvel artefact, mesdames et messieurs. Ainsi que encore des badges, des potottes et une pomme. Ils aiment bien nous donner des patates et des pommes à chaque fois. Hein. Alors, on a toujours l'Enderman là-bas, enfin le lézard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je suis sûr qu'il y a d'autres choses à trouver dans le coin. Où se trouve le prochain artefact? Dans cette direction, visiblement. Allez, meurs-toi, les singes. Voilà, je pense que je vais manquer de... Il va me falloir une nouvelle épée bientôt. C'est sûr et certain que je vais en avoir besoin d'une nouvelle. Alors, donc du coup, l'artefact, on a dit qu'il allait dans quelle direction? Vers le... Ah non, tu vas me dire qu'il y a un artefact en haut de cette voile? Non! Sérieux? Ok, mais j'en ai bien l'impression, hein, parce que ça pointe vers le haut. Alors, comment je pourrais monter là-haut? Par ici. Oh, alors ça, on va casser. Allez, casse! Ok. Perfect! Ouh là là. Ah bah attends, vas-y, tue les. Voilà. Nickel. Ça me va. J'aime bien quand ça se passe ainsi. Alors on n'a pas d'autres... Et eux, ils veulent pas m'attaquer parce que sinon ils vont brûler. Ok, très bien. Bon bah du coup, je vais pouvoir monter là-haut. Parce qu'il n'y avait pas l'air d'y avoir grand-chose d'autre. Alors. Qu'est-ce qu'on a en haut de ce mât? Un artefact, peut-être? Oh, il semble être vraiment tout là-haut. Alors si je regarde...
attention. Oh là là, faut encore monter, hein. Et là, je vois que... Ouais. Ok. Alors, alors, va falloir que je passe par là. Oh, c'est génial. Ok. On va se mettre en sneak, hein. Comme ça, on peut passer tranquille. Hop. Allez, on prend un peu de risque. Oh, ok, c'était chaud. Mais c'est bon, tout va bien. Pas très très bien. Je suis un véritable acrobate. Alors, ici. Des verrues du Nether. Une épée en or. Oh yeah. Bon, bah ça me servira quand mon épée en pierre va casser. Un disque. Ok. Et du coup, des verrues du Nether. Bon, je récupère tout, mais ça va pas me servir de tout récupérer. Hop. Ok. Et maintenant, on a plus qu'à aller en face. Voir ce qui se trame. Alors, je trouverai cet artefact en haut de cette géante voile. Waouh, ça commence à être haut, les gars. J'espère qu'il y en a pas d'entre vous qui ont le vertige, parce que là, c'est assez impressionnant. Waouh, par contre, ça me perturbe vraiment d'entendre les coups de canon à chaque fois. Est-ce qu'il y avait pas quelque chose dans cette tour? Non, c'est bon, on a rien loupé. Ok, par contre, là, on a deux spawners que je vais m'empresser de détruire. Voilà. Et ici. Voilà. Ok, très bien. Allez, montons là-haut. Je explore du pirate flagpool. Bon, le haut du bateau, quoi. Bon, par contre, il n'y a pas d'artefact, là. Alors, peut-être que je suis trop loin d'un artefact et qu'il peut pas les détecter. Peut-être que c'était ça. Mais bon, hey, il doit y avoir un... Ah ! Ok, il doit y avoir un artefact quelque part ici. Obligé. Bon, c'est pas obligé, à vrai dire, mais... J'aimerais bien, en fait, qu'il y ait un artefact. Ça me ferait plaisir. Alors, il n'y a rien caché sur cette voile. Bon, visiblement, non. On a peut-être fini d'explorer la zone des pirates. Alors. Ouais, je crois bien qu'on en a fini avec ces affreux pirates. Ok. Ouh là là. Ok. On va essayer d'aller voir l'autre zone par là-bas. On va remonter sur les cordes. Voilà, là je peux sauter. Voilà, on va manger un petit bout de... Ah non, je vais manger une poitotte. Ah ouais, j'allais dire, je vais manger une poudre à canon. Non, une pomme de terre. Ah mais elles sont pas cuites, mes pommes de terre. Ça, c'est embêtant. Ok. Alors, bon, bah, visiblement, on n'a rien d'autre ici. Je crois que j'ai bien exploré la zone des pirates. Hein. Je crois que là, on en a bien fait le tour. On peut commencer à descendre. Hop. Ok. Alors là, on a un autre endroit à moitié. On va essayer de voir. Bon, mon artefact, il ne m'indique rien. Hein. Vraiment, il sait pas où aller, l'artefact. Parce qu'il n'y avait rien là-haut. Hein. Je suis monté, hein. Mais je n'y ai rien trouvé. Ok, voyons voir ce qui se trame dans les parages. Pas un petit coffre ici? Pas de petit coffre. Ah, par contre, un nouveau chemin à explorer. On va aller voir ça. Alors, on dirait qu'on rentre dans un espèce de fort de pirates cette fois. Alors, oh, une grotte. Alors, elle mène vers où cette grotte? Que je vois ça. Oh, ça permet de revenir au village. Waouh, quel point de vue magnifique. Toujours avec les gros éléphants, là. Ok, très bien. Ça semble être un passage secret. Oh, on peut descendre. Waouh, c'était un piège. Waouh, ça va. Tout va bien. Ok. Alors, voyons voir ce que nous avons sur cette place fortifiée. Est-ce qu'on va y trouver quelque chose? Un bébé singe. Meurs, bébé singe. Voilà, donne-moi ta chair putréfiée. Je pourrais échanger pour un bon prix. Alors, oh, un coffre et un creeper. Ok, tout va bien. Oh, un diamant! Et un godor en plus. Aïe. Tu m'as fait super peur, toi. Je m'y attendais pas. Ok. Et une pioche en fer. Ça, c'est parfait. Ça nous servira. Et une potion de chute lente. Ok. Ça va nous permettre de faire de sacrés sauts. Alors, par contre, il commence à faire nuit. Ça, c'est un problème. C'est clairement un problème. Oh, un autre singe. Aimer hérétique. Ok. Alors, on avait un autre coffre ici. Une morue, une houe en bois. Et de la viande de porc cuite, ça c'est parfait. Et la morue, on va prendre. Et je prends tout ça. Alors par contre, il commence à faire nuit, du coup ça m'inquiète un petit peu. Alors, j'aimerais bien monter à l'étage de ce château là. Allons voir ce qu'il y a en haut. Eh oui, parce qu'à mon avis, il y a un artefact qui se cache dans le coin. C'est obligé. Il y a forcément un artefact. Si je regarde... Oh oui, on a un artefact dans le coin. Ok. On a forcément un artefact. Alors visiblement, ce serait par là-bas en plus. On va bien voir. Alors peut-être ça serait un petit peu au-dessus quand même.
On va voir. Alors là, ça me donne encore un très très beau point de vue. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure ici, hein. Il va falloir qu'on aille dormir. On va aller déposer les artefacts qu'on a trouvés, faire un petit peu tri dans notre stuff, voir si on peut marchander des choses avec les PNJ aussi. Ça pourrait être intéressant. Alors visiblement, ce serait encore au-dessus. Ok, bah parfait, le creeper, il est parti super loin. C'est nickel. Mon petit gars, je suis désolé pour toi. Mais là, t'as pas fait affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Alors, est-ce que l'artefact se trouverait dans le coin? Juste là-bas? Il se trouve au-dessus, mais on a quoi ici? Attends, j'ai quand même envie d'explorer cet endroit avant. Voir ce qui se passe. Donc, il n'y aurait rien dans cette place forte de pirates? Alors, waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Parce que en dehors des artefacts, on peut essayer de trouver des équipements qui seraient possiblement intéressants. Alors, ah, je peux pas... Ah non, je peux pas... Ah non, ok, c'est là. C'est là que ça se pose. Alors là, on a rien. Ah, ça c'est une porte, ok. Ah, un coffre! Des pommes de terre, encore une fois. Encore des pommes et des badges. Bah attends, quand on me donne ça dans un coffre, généralement ça veut dire qu'il y a un artefact pas loin. Ah, ah non, je peux pas monter. Ok, bah y'a peut-être pas d'artefact dans le coin finalement. Y'a pas d'artefact ici. Très bien. Bon, bah c'est intéressant à savoir. Take Fort. Ah oui, ok. Là, je suis revenu à Take Fort. Monkey Bay, c'est bon, on est de retour à Monkey Bay. Ok, ok. Bon, bah du coup, il fait nuit. Moi, je pense que on va aller voir ce qui se passe là-haut. Une fois qu'on sera... Alors, j'aurais bien aimé trouver un téléporteur. Ça aurait été pratique. Mais bon, visiblement, on n'en a pas. Le château, on l'a exploré. Oh, on vient de trouver le Wildwood. La forêt sauvage. Alors, est-ce que dans la forêt sauvage, on pourrait trouver une sorte de téléporteur? Ce serait sympathique, quand même. J'entends une araignée. C'est tout... C'est plutôt oppressant. Ah, voilà. Ok, donc là, c'est une troisième zone qu'on est en train d'explorer. Alors, je pense qu'on va revenir. J'aimerais bien trouver le téléporteur, en fait. Avant d'explorer, mais bon. Visiblement, je n'arrive pas à trouver le téléporteur. Enfin, il n'est pas dans un endroit visible. Donc, je vais pas avoir le choix que de revenir plus tard. À moins qu'il soit là, dans les parages. Mais visiblement, je n'en ai pas l'impression. On en a le téléporteur dans le coin. Non, je ne le vois pas. J'ai pas envie d'explorer ça tout de suite. On va repasser. On va revenir. Je vais retourner en ville. Je vais aller vendre mes objets. Et je vais aussi aller déposer les artefacts qu'on a trouvés. Puisqu'on en a déjà trouvé 3. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Hein, c'est plutôt cool. Hop, donc on va descendre par là. On va sauter dans l'eau. Dans l'eau, ouais, ça c'est sûr. Ok, là on a rien qui nous attaque. Allez, c'est parti. Ah, Take Fort. I'm back, my friend. Aïe, je me suis tiré dessus. Je me suis pris une flèche dans le popotin. Pas donc, toi. On fait mal, hein. Alors là, on a plein de carottes aussi, là, qu'on poussait. Ça, c'est pratique, ça. On va pouvoir les récolter, les manger. Je vais avoir tout un stock de carottes pour moi. Alors, du coup, il faut qu'on monte là-haut. Il va falloir qu'on monte. On va aller voir pour donner les artefacts à nos chers petits PNJ. Ok, les gars, je saute dans le téléporteur. Runic Fountain. Ok. I'm back. Et cette fois... J'ai des choses pour vous, monsieur le rat. This kingdom has been without a monarch for too long now. Ok, allez, on jette ça. 1 sur 40. 2 sur 40. Et 3 sur 40. Ok, waouh, ça fait beaucoup à ram... Ça va, toi, t'es tranquille, là? On est où pour que... Wesh, y'a des mobs qui se baladent à l'intérieur, là. Eh, ça va, les gars, vous êtes posés? Bon, bah, moi, je vous laisse, hein. Moi, je retourne à Take Fort. Waouh! Waouh! Je me fais agresser direct! C'est dangereux comme endroit! Aïe, allez, laisse-moi tranquille, petit. Toi aussi, meurs! Ok, bon, bah ça c'est parfait. Est-ce que ça pourrait pas être ma maison par hasard? Est-ce qu'on s'installerait pas là-dedans? Genre, est-ce qu'on retaperait pas cette petite maison? Genre, je pense que, en soi, on a juste à récupérer un petit peu de bois qu'on avait en trop dans les parages. Genre, je sais qu'il y avait des bûches, c'est là. Regarde, on va récupérer cette bûche. On va faire des torches. Hop, bâton, voilà, et avec le charbon, on va faire des torches. Voilà, parfait. Tac, on va éclairer cet endroit, et on va voir. Et moi, je pense bien qu'ils ont créé cet endroit pour qu'on y fasse notre maison. Les créateurs de la map, c'est clair et net que cet endroit nous est destiné. Ok, bah du coup, je vais pouvoir me faire des coffres, et m'y installer tranquillement. Regardez, tout ce bois là qu'on nous offre, c'est clair et net que c'est pour qu'on s'y installe. Ok. Nickel. Alors, je pense que je vais même aller dans le village, vite fait. Non, d'abord, je vais faire mes coffres. Allez, je vais faire mes coffres. Voilà. On va prendre...
prendre ça, on va faire des bûches et un atelier. Voilà, très bien. On va ajouter pour ça, pour le moment. Tac, l'atelier. On va pouvoir le poser genre ici. Tac, on va récupérer ça. Et maintenant, on va faire des coffres. Voilà, et voilà, des doubles coffres même. Tac, voilà, comme ça notre inventaire qui est rempli, on va pouvoir le désépaissir un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Voilà, hop, on va déposer des coquilles de Nautil, ok. Là, voilà. Bah écoutez, maintenant je pense que je vais faire des portes. On va avoir besoin de petites portes. Voilà, des portes en sapin. Très bien. Je vais pouvoir les mettre genre là et là, voilà. Tac, et on va placer des bûches ici et ici, voilà. Tac, et on va casser juste cette barrière à cet endroit-là. Et voilà, parfait, ça, c'est chez nous. Ah, qu'est-ce que c'est mignon. J'aime beaucoup mon petit chez-moi. Alors, hop, quand même, on va remettre une petite planche là. Ok, et bien voilà notre petite maison, les amis. Vous trouvez pas ça magnifique? Ah, moi en tout cas, je m'y sens à l'aise. Il manque juste un petit lit quand même, on va pas se le cacher. En tout cas, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Animal Kingdom. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit like et un commentaire, ça me ferait très plaisir. À partager cette vidéo et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et ma chaîne secondaire, ça me ferait très plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, eh bien, allez, salut à tous, c'était Oxy. Salut tout le monde!